Salut, c'est Seb. Vous voyez, nouvelle vidéo en VR. Donc, on est sur Assetto Corsa avec SRS, Sim Racing System, s'il est encore utile de le préciser. On est en Corvette C6 sur Road Atlanta. Bon, je me suis fait un peu surprendre puisque la course dure une heure et je retente en VR. Donc, j'ai quelques petits soucis encore une fois avec mon triple screen. Enfin, notamment les raisons pour lesquelles j'avais un petit peu arrêté la VR, c'est que j'ai du stuttering, c'est-à-dire que quand je tourne la tête, ça saccade. Bref. Ne pas en croire, c'est bizarre, avec ma 1080, je ne comprends rien. Bref, peut-être trop de matos, trop d'écran. Bon, c'est parti, on se retrouve pour, sur la grille de départ. A tout de suite. Allez, on va regarder sur Anatomy, le setup. Donc, une heure de course, arrêt obligatoire. Hop, on a remis les softs, en espérant que ça passe. Hop, je me suis qualifié 9e, c'est pas si mal que ça. Pas vu s'il y avait un Français. Hop, non. Allez. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je sais que tout le monde n'aime pas la VR. Mais bon, j'ai envie de retenter. Je vais essayer de bouger le minimum possible. Faire un bon compromis entre moi, mon confort et le vôtre également. Allez. Ouais, un petit peu en enfilade là. Allez. Il y a moyen de faire une belle course. Allez, une très très longue ligne droite de quoi prendre la speed. Ouh, ça sort large. Allez, ici le bloc droite délicat. Ouais. Ça relâche comme lui. Un petit setup à la va-vite. Pas vraiment le temps de faire la consommation. J'ai bien chargé la mule, on verra bien. Je vais un peu plus rapide.
je suis bien sorti, donc forcément un aspi, je vais la prendre. Je vais la protéger l'intérieur de son virage, ce qui est logique. Mais bon, si j'arrive à le doubler, je vais le protéger également, moi. Ouais. Allez, troisième, on va se concentrer un petit peu. Sinon, il va vouloir mettre la pression. J'ai réussi à rattraper, mais bon, il m'a fait l'extérieur. Je crois qu'il y aura de quoi s'amuser avec lui. Alors, c'est qui? Peter Schumber. Je suis encore derrière, donc je vais lui prendre la spie. Peut-être lui faire un inter, ouais. Ouf, désolé. Je crois que je l'ai touché, je suis pas sûr. Derrière ça revient. Pas vilain à choper. Hein. Il vient déjà de passer 10 minutes de course.
Allez, les stands sont ouverts. Ça vient de me faire la chasse. Moi je reste là. J'ai l'impression qu'il a moins la pluie que moi. Ouais, c'est le pauvre freinage, il est parti dans l'herbe. Il semble rapide lui. J'ai revenu P4. Ouais, il n'a pas dû mettre beaucoup d'appui parce que. Allez, on va s'arrêter là, je suis toujours quatrième. J'espère que la Austin va bien se passer, on va rajouter max de carburant. Ouais, les pneus commencent à être à l'agonie. Je ne sais pas du tout. Voilà. Ouais, on vient de passer 7e. On va pas nettoyer le casque. J'ai pas le temps. 8e. Donc on est à la mi-course, il reste 27 minutes. Tous ceux qui nous sont passés devant ne sont pas arrêtés. Se sont pas arrêtés, pardon. Ah, l'erreur. Le troisième est passé, là devant c'est le premier. Ah, je me suis mis la pression. Ah, puis lui il va me faire freiner. Ah putain, Seb. Il reste moins de 15 minutes.
retardataire de banc. Là, ils en profitent un peu. Et là, il est à moins de 1 seconde 2, il va me choper mon aspi. Il va se rapprocher de mon freinage. Là, je me fais déjà le scénario. Putain, de vitesse qui n'est pas poussée. Allez, pire freinage que j'ai jamais fait pendant une heure de course. Attendre ma faute, je sais pas. Ah, j'ai plus le pneu. Il va me bouffer. Il a loupé son freinage, comme la dernière fois. Ouais, c'est ma dernière chance. Il doit rester un tour. Ouais, là. Allez, on se retrouve dans la même position que tout à l'heure. Bon, je pense pas qu'il va faire deux fois la même erreur. Bien joué, Iron. Bien joué, j'ai essayé de ralentir au maximum mon freinage, enfin de retarder au maximum. J'étais déjà à la gomme avec mes pneus, donc il était plus rapide de toute façon. Bien joué. Franchement, c'est joli. Oh, ça me fait cinquième, c'est pas si mal que ça. Sans préparation, ça aurait pu être pire. En plus, avec mes lags dans la VR. Bref. Voilà, bon, j'espère que cette course vous a plu. Moi en tout cas, c'était propre, pas eu de soucis. Alors, je vous couperai comme d'habitude, vous allez voir les moments où c'était un peu plus calme. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de la course, de l'AVR, de tout ça comme d'habitude. Si vous avez aimé, le pouce bleu, le partage si vous avez aimé, enfin bref, comme d'habitude, allez, je vous laisse là-dessus, à une prochaine. Ciao.